CEST un affront pour la légende canadienne. Le 1er janvier 2023, le magazine Rolling Stone a publié son classement des 200 plus grandes chanteuses et plus grands chanteurs. En oubliant quelqu'un, à aucun moment, dans cette liste, n'apparaît le nom de Céline Dion qui, pourtant, tombait sous le sens pour énormément de lecteurs de cette publication musicale. Dans le top 10, on retrouve ainsi Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding, Al Green, puis sont égrenés de nombreux noms, dont des artistes plus émergents comme Billie Eilish ou Jungkook des BTS. Nulle trace de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore. C'était un choix éditorial plutôt risqué pour Rolling Stone qui est au cœur d'une polémique depuis quelques heures, accusé de crimes contre l'humanité par les internautes. En 2008, le magazine avait publié un classement des 100 meilleurs artistes et a décidé de le mettre à jour en 2023 en ajoutant 100 lignes supplémentaires. Mais où est passé le nom de Céline Dion dans cette liste? Connue pour ses performances vocales extraordinaires, la maman de René Charles, Nelson et Eddie a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde, chante toujours devant salle comblée et a remporté de très jolies récompenses, dont 3 Golden Globes, 6 Grammy Awards et 9 Music World Awards.